Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fifou et on se retrouve pour la suite de Kirby, les souris attaques sur DS. Rappelez-vous, on avait fait tout le monde 4 et on a entamé le monde 5. Et c'est un monde assez volcanique, le volcan vocal. Donc c'est parti. J'ai cru qu'il allait mourir. Et la petite musique toujours aussi. Il faut courir. Putain, enculé! Attends! Bon, je crois que la tige va devoir revenir. Wow! Mais putain! Arrêtez. Eh, vous voulez un autographe ou quoi, les gars? Ah! Ah, tu me touches pas, Dieu merci. J'ai cru que ça allait me toucher le pire. Alors là, il me donne le pouvoir magique. Et le maxi tomate, ça peut éventuellement se servir. Là, je viens de remarquer. Ça, franchement, j'en ai strictement rien à faire. Oui. Putain, mais ils reviennent ou quoi? Le puncher. Ah, Cupidon. Oula. Faut Cupidon. Non! Il faut Cupidon. Bon sang. Cupidon. Ou le magicien. Ça marche le magicien? C'est une blague? Non mais. Le magicien marche pas. Putain, c'est de la merde le magicien en fait. Et voilà, on prend Cupidon. Et tout ça pour ça? Eh ouais. Arnaque à l'assurance. Cupidon, c'est le pouvoir qui sert pas. Ouais, en fait, il sert pas à grand chose le pouvoir là, en fait, vous voyez? Ouais, c'est vrai comment c'est bizarre à attaquer avec ce machin là. Ah, voilà, c'est bon. Non. Laisse-moi donner. Voilà, bon, ben on peut s'en débarrasser parce que vraiment on n'en aura pas besoin. Aïe, 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 l'enculé. Et ça marche pas si on peut pas combiner des coffres. Non, ça va. Non, 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 non. Ah! Reviens-toi! Te suicide pas! Non! Ah! En fait, il est pas assez con pour se suicider. J'ai pas pris! Oh! Ah bah si, je l'ai pris, faut croire. Bon, allez, salut! Ciao les mecs! Non, ciao! Non mais, ciao! Oh! Eh, hey, oh! Oh! J'ai visé, hein. Eh, si le coffre il tombe, il manquait plus que ça, quoi. Mais putain! Cassez-vous! Ah, une vie en plus! Bon, je m'en fous de la vie. Ouais, on sort de ce bordel. Bah, ma foi, y a du. Eh, bah, ma foi, oula, y a des ennemis, attention! Mais tiens, oh, une étoile! Allez, on rentre dans les volcans maintenant. Encore trois coffres. Attention, là, d'être sérieux là. Il y a de faire chaud là. Ah! Putain, mais. Il marche dans le feu, c'est un truc de. Il donne le feu, bah oui, forcément.
Et là, on n'est pas immunisé face au feu, même si on a ce truc-là. C'est une grosse connerie. Putain, mais... On va essayer de se prendre des coups sans arrêt. What? Monsieur... Ah, putain. Ah oui, vous faites, si le pouvoir il tombe dans le feu, on est dans la merde. Hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas le récupérer. Hein. Parce qu'il dit... Oh là, mais c'est bon, là. Non! C'est quoi, ce délire? Et moi, je pensais que ça passait, moi. Ils sont sérieux dans le jeu. Non. Eh oui, tout cinéma pour ça, quoi. Je pensais, moi, qu'on passe à travers le truc. J'en avais à faire. Bon, allez, un coffre, ça fait du bien. Un peu de vie, ça serait beau. Ça serait pas... Mais vas-y, il y a des... Putain, c'est le défilé ou quoi, là? Oh! Oh, s'il vous plaît. Cassez-vous. Cassez-vous de my life. Allez, cassez-vous ma life. Eh, vous pensez m'avoir en plus? Vous pensez m'avoir, c'est con. Non, bref. Alors, oh yes, du poulet. Ça fait toujours plaisir. Putain. Cassez-vous. Putain, mais c'est l'invasion, quoi, ici. Y'a quoi, là? Voilà. Ouh, la tête à première. On est ouf. Passe à Non, ça passera pas. Mais vas-y. Je vais pas repérer toute la vie que j'avais. Bon, là déjà, voilà, on a récupéré un peu de vie, c'est pas mal. Oh, il y a du feu, hein. Oh, le rocher. Le rocher, c'est le truc le plus casse-couille. Tout ça pour ça, vous voyez, hein. Oh, ça met trop... En fait, ça met trop un plomb à bouger, c'est ça le problème avec le... Je sais pas. Quel est un... Bon, là, il y a un coffre. Wow! C'est calme, hein. Il veut pas tomber? Bon, on va prendre ce coin. On va prendre ce coin-là. C'est sûr qu'il y a un truc. Oh yes! Ah, quoi? Ah, vas-y. Voilà. Donc, voilà. Oh, mais c'est génial, cet endroit. Et si on casse tout comme ça, c'est génial. Oh, yes, tout ça pour un coffre. Oh, yes, je me fais défoncer la gueule, mais on s'en fout. Ah, d'accord. What? Et où la sortie, alors? Donc, c'est la sortie là-bas. Donc, la sortie est là, en fait. D'accord, mais c'est génial, ce jeu. Ouais, bah tu crois quoi? Tu crois que j'ai pas deviné? Il te faut. Là, je sens que ça va être ma fête. Le coffre est pour moi, là ça va être la fête à... Et voilà, le retour de la souris. Alors, une épée en feu. Excusez-moi. En fait, en amélioré, c'est beaucoup plus fort le rayon feu. D'accord, juste pour ça. Bon, il est où? Ah, il est là! Ouais, ils savent grapper, hein. Alors, il ne... Ah non! Allez, je lance des shurikens, bien évidemment. Grosse bombe! Ils peuvent s'entretuer, il me semble. Voilà, toute notre vie est restaurée. Me voilà fort rassuré. Et tout le monde est content, tout le monde est content. Alors là, le parchemin marteau, ça va le faire. Oh, c'est joli. Le parchemin marteau. Donc là, on avance bien. Encore 3 coffres, donc c'est énorme hein, ce qu'il demande. Il demande 3 coffres quasiment à chaque niveau. What? Oh, je crois que je... Oh, ça sent... Oh, je vais prendre lui, parce que, à mon avis, on est dans un volcan, théoriquement, on a besoin de lui. Ah, pour ça, pour un boss! Attends, on peut discuter! Attends, on peut discuter! Voilà. J'ai besoin de toi. Je vais voir le marteau. On peut faire aussi le lancer de marteau, il me semble... Voilà, donc tout ça pour... Ah oui, c'est vrai, on va rebattre des mini-boss et le... Et leurs armes vont nous servir, en fait. Allez, viens. Quoi? Ouais, je ne savais même pas qu'ils pouvaient faire ça.
Ah merde. Arrête de voir! Putain, mais ils font mal en plus, ces enfoirés. Est-ce que je peux faire le. Non, ça marche pas. En fait, ce niveau il est pas spécialement dur. Je crois. Je crois même. Est-ce qu'on peut faire le. Non! Tu vas regarder, voyez. Ok. Alors, il faut faire bas et puis aller à droite. Ok. Ah, le rocher. Alors là, le rocher. Généralement. Oh, les griffes. Allez, les griffes. On fait ces griffes là-dessus. Sur la plaque de pierre. Ah! Aïe! Connard. On fait ces griffes là-dessus. Waouh! On se fait écraser par une grosse pierre. Wouhou! Et voilà, donc là il faut prendre le rocher et puis voilà. Ah, on est lourd! Qu'est-ce qu'on avance durement! Et on craint pas les pics aussi. Hein. Et voilà. Et je remarque qu'on a. Bon, on va se barrer avec ça maintenant. Ah, les revoilà! Merde! On peut discuter peut-être? Bon, lui va utiliser son marteau. Ouais, on peut pas, voilà. Ouais, sur... On peut les aspirer, hein. Mais ça marche pas. Hein. Ouais, on peut faire ça aussi pour qu'ils nous redonnent de la vie. Aïe. Voilà. Voilà, donc là, niveau pas vraiment spécialement dur. Hein. Faut battre les mini-boss et ça vous convient. Et ça nous convient. Donc voilà, un niveau vraiment rapidement fait. Je pense que ce niveau-là, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont dû rater les coffres. Parce que. Oh yes. Ah oui, un peu de vie. Un peu de vie en plus. Non, même pas. Je n'ai pas l'autre réceptacle. Et là, encore 3 coffres. Son cœur va monter. On va en avoir des coffres là, hein, en ce niveau. Ah, une maxi sucette. Ah, il faut. Pouvoir animal que je n'ai plus. Oh, le pouvoir toupie, mais c'est génial. Tornado. Ouh. Oh, animal. Regarde, t'es mignon, t'es animal. Oh la vache, la classe Kirby. Oh yes, là. Oh, non, non, non. Non. Au revoir, salut. Au revoir. Non, non, mais hey, il est obligé de me suivre. Il était obligé de me suivre, le pire. Hein. Oh là là, c'est bien. Attends, tout ça pour ça, mais moi je. Non, non, mais j'espère que ça va être. Il va y avoir un coffre derrière tout ça. Donc de la glace, ce n'est pas pour les news. Putain, mais on va se calmer, les mecs. Oh non, encore animal. Attention, j'aime pas du tout comment ça fait. Comme endroit, mais bon, là il faut du feu à mon avis. Non, mais font du moonwalk ces ennemis là, font du moonwalk. Ah, il faut geler pour passer à travers le feu, etc. Ouais. Non, alors, il faut bien réfléchir parce qu'à un moment je crois qu'il va. Il va avoir une sorte de piège. On va se faire niquer en fait. Enfin, je vais me faire niquer. Là, regardez. Là, c'est franchement pas discret. Il y a un truc là, vous voyez. Tadam. C'était pas. Oh non, alors attention, pas faire la grosse connerie que je vais faire. Je l'ai pas fait, de merci. En fait, là, il y avait un gros. Voilà, vous voyez. J'aurais activé ce levier, il serait tombé dans le trou et je n'aurais pas pu le récupérer. Ah, ils sont malins, ils ont pensé à pas mal de trucs, hein. Donc, les Waddle Dee dorés donnent, redonnent. Et ben, ils redonnent de. Ils donnent un coffre. Je ne savais pas. Donc là, il faut faire gaffe. Et là.
Ils dorment. Là, tu dis vu comment c'est fait, il est obligé d'avoir un truc. Putain. Là, tu dis ouais, il y a un truc, c'est sûr. D'abord, on va chercher le petit coffre qui sert pas. Est-ce qu'on peut descendre, non? Ah ouais, c'est en fait, c'est une sorte de. On va... Ouais, faut être super rapide en fait. Oh merde. Alors, je viens de remarquer que ma console était au rouge. Je vais. Toujours le parasol, c'est bon. Je crois que je vais la recharger. Veuillez m'excuser. Eh bien, re! Alors, c'est parti. C'est en train de se recharger, c'est tranquille. C'est bien. Allez, on va chercher le dernier coffre qui nous manque. Le pouvoir parasol, il va me servir à rien. Pour ma part, je vais. Non, mais putain, je vais prendre ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que regardez. Pour gagner un max de temps. Il est où, il est où, il est où? Elle est où? Me dis pas qu'il est déjà rentré? Ah, écoutez. Oh non! Il est déjà rentré! Non, mais... Putain! Eh, hey, merde! Ah, j'aurais pu faire signe, hein! Oh, je suis rentré! Non, mais c'était trop leur demander, quoi. Bon, on va rechercher ce coffre que j'ai lâché bêtement. On va recommencer ça. Et on était arrivé au boss. On était déjà arrivé au boss, hein, c'est pour dire. Bon, allez, on y go. Tornado, mais on s'en fout de Tornado. Là, on avance bien, on est déjà... Bon, là, le pouvoir glace. En fait, si vous, même si, si vous prenez la Maxi Sucette et que vous marchez en lave, il vous arrive, hein, vous êtes invincible. Hein. Voilà. Le feu qui craint la glace, c'est très logique, mais c'est normal. Et oui, c'est normal. Là, voilà, des ennemis. Là, lui, voilà, esquiver. Lui, il fait du monolook. Vous voyez, regardez, c'est marrant ce qu'on peut faire avec ça. Avec la lave, vous voyez? Merde! Oh non, mon pouvoir. Foiré de pouvoir. Il a disparu. But! Glou glou glou! Ah, Léo! Oh là là, je croche-pied! Kirby qui fait des croche-pieds! Là, franchement, je m'en fous du bloc. Enfin, je m'en fous du. Là, je suis sûr, toi, pour gagner du temps, il faut détruire ces blocs-là. Sinon, ça passera pas. Oh là, mais c'est pas possible ça. J'espère autant de prendre des coups comme ça. What? Genre ces machins nous blessent. Ah ouais, ils nous blessent. Alors ça, franchement, je m'en doute. Je savais même pas qu'ils nous blessaient. Bon allez, on y va. Pouvoir glace activé, on go. Et on y go. Voilà, après 5 salles, voilà. Ah ouais, donc ils ont directement le coffre en fait. Ouais, ils vont essayer de nous gêner. Ah ouais, très bien. Non, non. Ah non, mais pas tout le temps. Ouais, des fois, ils sortent de l'écran. Et ouais, des fois, ils font ça aussi. Hein. Alors, il s'est détruit avec le vaisseau? Non. Bon, bah, très bien. Il s'est détruit avec le vaisseau, le mec. Merde. Dommage. Donc là, on va débloquer le niveau secret, ce que je vois. Dans chaque monde, il y a toujours un niveau secret. Putain, vache, trois coffres, quoi. Dans ce niveau, dans ce monde, il n'y avait que trois coffres à chaque fois. Bon, bah, on prend le coffre, on va prendre cette partie-là. Oh! C'est quoi, ça? Hein? C'est quoi, ça? Ils sont sérieux, là? Ils ont osé faire des trucs comme ça? On est dans Kirby, les gars. Alors là, franchement,
Ceux qui ne savent pas, ils vont faire... Putain, non, mais non! On traverse, on traverse. Oui, on est invincible. Là, il y a un bloc de pierre, c'est pas pour les glands, mon avis. Vas-y, me dis pas que tu bloques le chemin, toi. Oh! Non! Faut aller par où? Ah, ok, donc. Ah ouais, c'est un vrai labyrinthe, en fait. Alors, attention. On va devoir un petit peu jongler, alors, hein. Le pouvoir pire qui peut être fort utile, là. Et t'es obligé, hein. T'es obligé. Là, je suis sûr qu'ils font un truc. Oh là là, je mets ça en avance à 2 à l'heure avec ce Toji, c'est un truc de dingue. Ah non! Il fallait le marteau. C'est pour ça que ça fait ça. T'es obligé, mais... Il y a le marteau quelque part, mais... Merde. Bon, c'est pas grave. Tu peux faire ça éventuellement avec le mar... avec ça. Mais en fait, il faut le marteau, en fait. Et c'est vraiment obligé de faire ça, quoi. Le truc Cupidon, il sert à quoi? Non, mais sérieux, il sert à quoi, Cupidon? Bien, une petite ligne droite qui fait énormément plaisir. Oh, yes. Ça fait des dégâts monstres, quoi, il faut l'admettre. Être habillé en pierre, c'est horrible. Je plains les ennemis, hein. What? Non! On craint même pas le feu? Là, je viens d'apprendre un truc que je savais même pas. On ne craint pas le feu en rocher. C'est juste énorme. Parce que je savais même pas. Je viens d'apprendre un truc complètement inédit. Comme quoi, refaire des anciens jeux, on découvre de nouveaux trucs. Ça, c'est un truc que je savais même pas, quoi. Ça, franchement... Oh, puis, allez là. Ah, voilà le code. Donc, le jeu, à mon avis, ce qui doit être en haut, ça doit être un... Oh non, mais... C'est de la triche. Au revoir. À mon avis, ce truc qui devait être au-dessus, à mon avis, ça devait être pour une vie ou je sais pas quoi. Mais comme j'en ai rien à battre de la vie... Putain, mais ça, c'est... Oh, bah voilà. Merde. Vous savez quoi? On est des fous. Allez, Tayo! Mais il faut la glace, je sais, mais je m'en fous, je suis un ouf, je passe comme ça. Il fallait la glace, mais je l'ai pas pris. Oh, l'enculé! Donc là, astuce. Ah, merde. Eh, vous savez quoi? Expliquez-moi l'intérêt... Oh, non, mais... Non, mais je vais prendre le marteau, y a rien à faire. Ah, tu m'auras pas. Voilà, marteau. En fait, il fallait la glace, mais je l'ai pas prise. J'ai un peu gratté du temps, en fait. Et j'ai bien fait, non? Là, il y a une vie. Il y a une vie, là. Obligé. Attendez. Quoi? Tu vas pas me dire j'ai fait tout ça pour une cerise? De Groupama! C'est une blague! Et il faut croire que j'ai fait ça pour une cerise, mais bien sûr! Logique! La logique Kirby! Attention! On va être en feu, mais. Oh là là là! Attends, vite, vite! Il monte! Voilà. Allez là! Mais putain, vite! Vite! Oula! C'était moins une heure! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Arrête de monter! Tu me saoules! Arrête! Arrête de voir! Oh, puis je perds tous mes coffres! Arrête de voir! Tu me fais chier beaucoup de choses! Et tu sais quoi? Arrête de bouger! Voilà! Putain, t'es plus calme d'un coup, hein! Ouais, c'est énervé. Quand elle fait ça, c'est pas bon signe, attention! Voilà! N'oublie pas pour recharger ça, on fait ça. Je crois qu'elle a compris. Ou il a compris. Dans la version européenne, c'est un homme mais en chaponné et il considère que c'est une femme. Bon, même si on a fini tous les coffres, on va quand même visiter le dernier endroit.
Il reste un endroit à visiter, rappelez-vous. Oh non! J'ai même pas pu visiter le truc en bas à droite, là. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Donc, on a eu les trois coffres, c'est formidable. On va pouvoir défoncer la gueule du boss. Est-ce que je peux utiliser la méga suite pour le boss? C'est formidable. Parchemin sommeil. D'accord, très bien. What? Je vais voir ce qui. C'est quoi? Ça mène où là? Ça sert à quoi? Tout ça pour une vie? Oh, c'est génial. Ah bah ouais, pour voir glace, il fallait l'avoir par là. J'ai un peu grugé, moi, en faisant ce que j'ai. Ah merde, on a un chrono en plus. Ah, je peux au moins chercher la vie. S'il te plaît, je peux au moins chercher la vie. Bon, pas les steaks, je passe. Bon, on a compris. Alors, on va quitter ce niveau. Quitter. Quoi? Ah, parce que tu peux même pas quitter un niveau comme ça, toi. Mais putain, il faut battre les boss, obligé. On va quitter à la va-vite le niveau. Et vu qu'on est pas très pressé, on va faire comme ça. Ah, ça brûlote. Et on va défoncer la gueule du boss. Qui est, je crois, un petit peu chaud pour ma part. À moins qu'il donne le pouvoir tornade, là. Le pouvoir complètement exagéré. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là et puis on sera prêt pour un. L'épisode suivant. Voilà, bah, j'ai pas eu grand chose, bah oui. Et on va niquer le boss. Vous êtes prêts? Volcan vocal. Dum, dum. Toujours cette musique. Dum, dum, dum. Ah bah. Oh, c'est super, il y a la méga saut. Ça devient ça. Le méga saut aussi est un très bon truc, vous allez voir. Vous êtes prêts? Méga saut, c'est un bon truc aussi. Allez, on va se niquer le boss. C'est une sorte de je sais pas quoi, un hibou, un mélange de chat, de hibou. Hop là. Voilà, on peut faire n'importe quoi avec ça. Et surtout le pire attaque qu'il peut nous faire, c'est celle-là. Où il nous essaie de nous choper, mais malheureusement, bah. Voilà, il peut aussi nous faire ce truc-là. Oh non! Pauvre Doldy. Ah, il méritait pas ça, le pauvre. Ah oui, il peut aussi nous faire ça aussi, hein. Et là, c'est assez dangereux, des fois. Ah, il est assez dangereux, même si je. Encore là, je joue mal. Sinon, moi, je. Sinon, si je jouais normalement, j'écraserais sans prendre un coup. Et il fait tomber des ennemis, hein. C'est un peu bizarre, mais voilà. Allez, approche. N'oublions pas que ce boss fait le tour de la salle. Voilà. Très intéressant, hein. Ah, il nous a loupé. Voilà. Bon, il est pas trop dur, mais il faut juste faire gaffe qu'il nous chope, en fait. C'est juste l'attaque la plus chiante, après ça le fait. Ouais, on dirait raton laveur, ce boss, en fait. Voilà, il est vaincu. Il y a un petit coffre pour ma part. Et donc voilà. Et le trophée boss, pour preuve qu'on a battu le cinquième boss du jeu. Voilà le trophée boss. On arrivera dans le sixième monde, ce sera un monde de glace à mon avis. Et voici le monde de glace. Hill Iceberry. Très bien. Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, disliker, vous abonner éventuellement à ma chaîne, ou éventuellement commenter la vidéo. Et je suis aussi sur Facebook, si vous voulez savoir des trucs. Sur Facebook, j'ai une chaîne, enfin, j'ai une page. Ça vous intéresse. Je mettrai tout dans la description. Allez, bye!